الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله الله رب العالمين إن دنو توفيق encore une fois من جن دنو لسون أصول الحديث Une nouvelle année qui commence pour nous. Nous faisons dua, Allah Rabbul Alamin, donne baraka à nous, à nos connaissances, à nos mâles, à Olad, Jan, de nos barakat de salané là. Et Allah protège nous contre toute bonne calamité, contre toute bonne punition de dunya. Et si, fin décrété pour nous gagner l'amour de salané là, alors Allah donne-nous l'amour. Lo iman. Alors, alhamdulillah, nous l'année, donc, une changée, une commencée, et nous, nous sommes là pour prendre science hadith. Et nous n'allons pas, Allah, sur Rahmat, Yallah, Rabbul Alamin, l'icône nous l'intention. Alors, beaucoup parmi nous, bien, tout qu'il a parmi nous, il vient là à cause, nous peut cause hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man, quelque chose de technique là-dedans, qui n'est pas trop facile pour comprendre parfois, mais d'accord avec vous. Parfois, il est un peu technique, mais seulement, malgré notre travail la journée, malgré tout, nous là, pour comprendre ça. Allah Rabbul Alamin, que nous l'intention, nous fait droit, Allah, God nous ferme l'eau là, et nous gagne ce sawab de dunya et d'akhirat. Et d'akhirat, plus grand sawab qui ça, c'est Allah fait nous al pré-respect avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il y accorde nous ce shafa'a. Nous pouvons étudier science hadith et nous en prenons l'escalier science basant la façon que les fins arrivent à nous, les diviser en deux grandes catégories. Première catégorie, c'était mutawatir. Première catégorie, c'était mutawatir. Alors, une cause l'oula beaucoup. Mutawatir, c'est ce qui finit être rapporté par un grand nombre de man narrateurs. Et ça, un grand nombre de man narrateurs-là, les présents, le chaque niveau de sa hadith-là, sa chaîne de transmission, est logically inconceivable ou pas capable de penser que tout ça du monde-là, fin collaborer ensemble pour cause mentir. Ensuite, peut-être notre cause Lola, la dernière fois, hadith so hukum, hadith mutawatir so hukum, c'est li konve ilm daruri. Ilm daruri. Nous pour cause un peu plus Lola, aujourd'hui, moi pour donner un bon exemple et li pour clair, inshallah. Li konve ilm daruri, la connaissance. Certitude, avec certitude, 100%, such that one is obliged to decisively accept it. Nous devons accepter le hadith mutawatir, du moment où nous connaissons ce hadith-là. Il y a un hadith mutawatir, il vient paraître comme si, ou même, au fin de temps, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit sa parole-là. Ou bien faire sa action-là. Comment on connaît, non? Différents types de hadith, il est capable d'une parole, il est capable d'une action, il est capable d'une qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un seul approval. Alors, il y a pourtant ça. Hadith mutawatir, so ruling. Maintenant, ben condition de hadith mutawatir, c'est que sa grand nombre de man narrateurs là, les présents le chaque niveau du sanad. Les présents le chaque niveau du sanad. Alors, il y en a plusieurs opinions. Certaines finissent à 10, certaines finissent à 7, certaines finissent à 4. Right? Hafiz ibn Hajar Asqalani, il explique nous, nous finissons ça. Donc, il y en a 5, il y en a 20, il y en a 12, il y en a 70. Mais seulement, l'opinion qui paraît plus correcte, parmi ça, ikhtilaf qu'il y en a parmi les ulama, c'est que même s'il y en a quatre narrateurs, au moins quatre narrateurs
chaque niveau de ce chaîne de transmission et ça quatre narrateurs là même je demande du monde comme ça autant digne de confiance autant bon mémoire ena qui quand un alim edin right, un expert de science hadith comme Allama Suyuti comme Hafiz Ibn Hajar ni même quand un alim comme ça que l'idée de sa sanad là finit de rapporter donc par quatre personnes at least le chaque niveau de ce chaîne de transmission les capables de dire qui hadith la mutawatir right un alim capable de dire les mutawatir ensuite it is donc deuxième this large number is present at all levels of the sanad non cause lila et allez si pour une question comme si une acquitteuse pas trop comprendre capable revenir lola. Troisième, it is inconceivable that they could have collaborated to propagate a lie. Right? Alors, le petit cousin là, par exemple, il y a un narrateur de l'Égypte, un autre narrateur de Medina, un autre narrateur de l'Irak. L'époque longtemps, il y a un téléphone, il y a un internet, un moyen de communication, il y a un commentaire là. Donc, quand on a tout ça, un narrateur là, de différents pays, on a besoin de casse-t-il pour inventer un mensonge. Et quatrième condition est très important, c'est que the report is based upon perception with the senses, such as them saying we heard or we saw. Bien important. Ça va un narrateur là, ça grand nombre de narrateurs qui peut rapporter ce hadith là, ben a besoin dire qui nous fait entendre. Nous fin tendez. Si c'est une parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors vous entendez. Vous entendez. Une parole ou bien un show approval, alors vous entendez. Tendez avec vos oreilles. Right? Et si c'est une action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une qualité, un sifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ben, Nadia nous trouvez avec nos lisiers. C'est important. Le hadith n'est pas une mutawatir si, comment dire maintenant, venez dire, mais mon pensée, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ça. Non. Non. On trouvait, si c'est une action, on trouvait, oui, avec un lycée, on trouvait. Si c'est une parole, on tente ça avec vos oreilles et tout, bien comme ça, là, le hadith, il arrive le niveau 2, mutawatir, qui fait la raison est simple. Parce qu'un hadith mutawatir, ce jugement, c'est lui donnons la connaissance avec certitude. Right? Mais si, comme on dit, nous prend un risque, right? Nous prend un risque, nous accepter même un dimon n'est pas entendu, right? Une pensée qui peut-être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à sa parole-là. Right? En réalité, il n'est pas entendu, il peut dire d'après lui, d'après seul esprit, mais là, il n'est pas pour bon. Hein? Il n'est pas pour bon parce que l'hadith mutawatir, ou bien accepter avec certitude, mais là, il y a une possibilité qui est une erreur. Hein? Une possibilité qui la personne il mal comprend les choses avec tout respect qui nous est là. Premier, pour ban sahaba, tabi'in, taba'a tabi'in. Hein? C'est ban même ban rapporteur, ban même ban narrateur. Mais il y a respect pour eux, mais seulement ensemble avec ce respect-là, hein? Plus important que ça, c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que din li basé l'ola. Vous espérez ça, quatrième condition là, li clair. Alors, quand on get ça maintenant, de hadith, qui quantité précaution ban ulama fin prend, et quand on get musulman nous a dit, tout qui chose qui nous pensait peut-être li comme ça, nous l'esprit indien nous li comme ça, nous ne propage li. Right, Facebook, tout ça, et à travers ça, on peut prendre Izzet Jimon, on peut prendre la réputation Jimon, mais tout ça là, il n'est pas bon ça. Pas bon ça. Right. Nous devons investiguer bien, et nous devons, quand il y a un problème, nous consolver le problème là. Right. Aujourd'hui, on peut vivre dans une époque extraordinaire. Ensuite, là, donc, nous finissons de discuter. Différents l'opinion, une récosse aujourd'hui, nombre de bandes narrateurs, si il y a une question, tu allais nous révéler là. Et dernière chose qui peut-être nous a causé la dernière fois, c'est que Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, tu dis,
Ben narrateur d'un hadith mutawatir, du moment infini confirmé, c'est un hadith mutawatir, ou pas à l'investiguer ce ben narrateur. Pas faire ça et rien là. Right? Parce que un dimon qui a la connaissance, et pour finir, connaître si quelqu'un peut investiguer le hadith mutawatir sur un narrateur. C'est-à-dire du moment où l'ulama infini dit nous ce hadith est mutawatir, infini confirmé là. Infini confirmé. Quand pas encore confirmé, ça c'est une autre affaire. Quand infini confirmé, man ulama infini dit nous c'est un hadith mutawatir, mais à ce stade, on peut investiguer concernant le narrateur parce que l'IP n'a une chaîne de transmission, il y en a beaucoup de chaînes de transmission, et si arrivé dans une chaîne de transmission, il y a un narrateur à qui peut-être il y a une petite faiblesse, malgré ça aussi, il n'est pas comme ça, mais disons il y a une petite faiblesse dans lui, mais les autres chaînes de transmission là, il finit, comment dire, strengthen sa faiblesse qu'il y a ici là. Alors, du moment qu'il confirme qu'il y a un hadith mutawatir, nous pouvons investiguer concernant le narrateur. Très important ça. Ensuite, là, nous continuons maintenant. Quand nous causons hadith mutawatir, ce qui peut causer là, il n'est pas difficile, il est facile, suivez-le. Docteur Mahmoud Tahan dit nous, hadith mutawatir is divided into two categories. Right. Donc, hadith lui-même, il est divisé en catégories ahad et mutawatir. Et mutawatir là, maintenant, lui aussi, il est divisé en deux catégories. Right. Il est divisé en deux catégories. Premier, c'est lafzi, et deuxième, c'est ma'nawi, ma'nawi. Lafzi et ma'nawi. Le mot lafz, un mot qui nous connaît, right. Word, normalement, lafz en ourdou veut dire un mot, utterance, right? Parole, tout ça, lafz. Ma'nawi, sorti dans le mot ma'na. Ma'na veut dire signification. Ma'nawi, donc signification. Alors, qui veut dire ça? Nous get lien. Mutawatir lafzi, a hadith whose words are narrated. A hadith whose words are narrated by such a large number. Alors, hadith mutawatir lafzi, c'est un hadith whose words are narrated by such a large number as is required for a mutawatir in a manner that all the narrators are unanimous in reporting it with the same words. Without any substantial discrepancy. Qu'il peut dire à nous là? Il peut dire à nous là qu'il y a un hadith mutawatir, lafzi. Première catégorie là, lafzi, c'est un hadith qui finit être rapporté par même mot, par ben différents narrateurs qui est là. Right? Ben, ça a beaucoup de narrateurs qui est là. Je ne rapporte hadith là plus ou moins dans même mot. Je ne rapporte les dans même mot. Alors, un exemple de ça, un exemple populaire de ça, un hadith qui vous connaît ça, et mon frère request avec vous, si vous êtes capable, on prend l'hypocrisie, on prend l'hypocrisie. Nous disons ça aujourd'hui, du monde trop cause menti. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui intentionally attribuer un mensonge à Ali, ça dit mon Ali prépare sa place dans l'enfer. Maintenant, ce hadith-là finit être rapporté par presque même mot. Ben Sahaba et Karam, Banna, et après Banna, le chaque génération, ben narrateur qui est là, il rapporte les par même mot. Right? Parfois, un mot en plus, ça est là, ça. Right? Un mot en plus, c'est pas son signification. Right. Mais seulement les presque mêmes mots. Donc, ça appelle ça un hadith mutawatir lafzi. Alors, this is a mutawatir hadith in its wording because more than 60 companions of Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam have reported this hadith at different occasions, all with the same words
The number of those who receive this hadith from the companions is many times greater because each companion has conveyed it to a number of his students. Thus, the total number of narrators of this hadith has been increasing in each successive generation. Alors, nous comprenons. Dans l'époque de Ban Sahaba, même, il y en a beaucoup qui font rapport hadith là. Et Ban Sahaba, donc, quand ils font rapporter, Ban Zélib de Ban Sahaba aussi, Ban Tabi'in, font continuer rapport hadith là, bien beaucoup. Right? Et donc, c'est un hadith qui finit rapporter avec même mot, presque même mot. Donc, c'est un hadith qui mutawatir en termes sur mot, en termes sur wording, et en même temps en termes sur signification. Hein? Wording là aussi pareil, et sur signification aussi pareil. Nous pouvons comprendre par ça qui nous pas gain droit, cause menti le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait ça, donc, il peut faire un grand péché. Alors, l'afdhi, quand on finit comprend maintenant, nous essayons de comprendre ma'anawi qui était ça. Il est facile de comprendre. Ma'anawi veut dire, mutawatir ma'anawi veut dire un hadith qui finit être rapporté, pas par même mot. Pas par même mot. Mais sujet-là lui-même. Sujet-là lui-même. Il peut causer ça même. Alors, par exemple, hadith concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li pou intercéder jour qiyama, jour jugement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam li pou faire shafa'a là-bas. Li pou intercéder. Right? Et ça même, c'est ban gunahgar kumanu, c'est ça même nous Sahara. Hein? Vous pensez, vous comprenez ce que veut dire Sahara. Right? Je suppose, parce qu'en termes action, nous connaissons même la quantité là, puis il même dans nous. Allah pardonne-nous. Quantité ibadat, quand on a grand, combien ibadat tu peux faire. Et maintenant, en termes de qualité, on trouve une soeur in raise hand. Inch'Allah, soeur, nous pour prendre vos questions vers la fin, hein, la fin de nos classes, Inch'Allah. Alors, en termes de qualité aussi, il y a un manquement beaucoup là-dedans. Il y a un manquement beaucoup là-dedans. Sahara qui nous est là, right? Suppos qui nous est là, c'est Shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, il peut intercéder. Et ça fait une parité de plusieurs hadiths. Par exemple, il y a un hadith très populaire. Man jimoun pour l'écoute Adam alayhi salam. Adam alayhi salam pour l'écoute en l'autre. Et par contre, il y a différents nabis, Hadrat Ibrahim, Moussa, etc. Chacun peut dire Al-Kotanot. Et finalement, Hadrat Isa, alayhi salam, peut dire Al-Kot Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, les points intercédés. Les points intercédés. Allah pour ordonner, demander, faire doa au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah pour faire kouboul au doa. Intercéder, Allah pour faire kouboul au shafa'a. Right? Alors, il y a beaucoup de hadith. Donc, il y a un hadith qui est capable avec différents wordings. Un autre hadith qui est avec différents mots. Mais signification là, right? Signification là, il est pareil. Right? Je veux dire, nous ne comprenons pas ça, qui définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire shafa'a au jugement. Et comme ça même, concernant faire... Massa, masah, ala al-khufayn, le leather socks. Alors ça aussi, finit être rapporté dans différents hadiths, mais c'est moi, dans différents hadiths qui finit être rapporté là, ce mot pas pareil, mais en termes de signification, li convey the same meaning. Right? Alors, a narration, nous lis un texte ça ici. A narration which is mutawatir in its meaning, but not in its text. That is, this is a narration where the narrators agree upon a general meaning, but each narration has its own specific text. The various narration, donc par exemple, shafa'a et wiping le khufay. Right?
Ça, deux exemples qui donnent nous normalement. Un troisième exemple qui me prend, ça y est intéressant. Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, très grand savant, mujaddid de son époque, et un grand sunni. Maintenant, Husnudhwan, un très grand waliullah, très grand alim, tu peux écrire beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres. Et beaucoup khidmat fait pour din. Alors, Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit là, hein, de ce fatwa? Il y a un texte arabe là-haut, mais nous avons une traduction là. La vie du Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qabr, et aussi devant les autres prophètes, l'est connue avec certitude auprès de nous, car plusieurs preuves prouvent cela, et dans le hadith, le sujet-là finit être rapporté d'une manière mutawatir. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les vivants de ce qabr? Oui. Ben, prophète, est-ce que vous êtes vivant dans votre qabr? Oui. Right? Donc, il y a un hadith là. Différents hadiths. Hadith là, chaque hadith là, ce mot n'est pas pareil. Par exemple, un poudjaou, Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, fa nabiyullahi hayy yurza, ou comme a dit alayhi salam, qui se signifie cachon, c'est Allah finran haram lo la terre pour les consommer les corps de ban prophète. Donc, un prophète, les vivants dans ce qabar, les gagne nourriture. Un deuxième hadith pour dire où Al-Anbiya, nous n'avons dit Al-Anbiya ahya fi quburihim yusalloun, ou comme a dit alayhi salam. Il dit qui, ban prophète, vous êtes vivants dans ce qabar et vous faites namaz dans ce qabar. Ban Nabi, vous faites namaz dans ce qabar. Il a un troisième hadith. Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que l'étape al-Mi'raj, donc l'étape passe côté qabre de Hazrat Moussa alayhi salam, et vous connaissez Hazrat Moussa alayhi salam, tu es qaïm, tu débouté, tu peux faire namaz à ce qabre. Donc, vous trouvez là-bas un wording là différent. Un wording là différent, mais seulement signification là, c'est ça même. C'est que, ben, Nabi, vous êtes vivant dans votre qabre. Alors ça aussi, donc, c'est un exemple de hadith mutawatir ma'nawi. Alors, pour conclure, hadith mutawatir lafzi, c'est un hadith qui finit être rapporté par même mot. Et normal, il convey the same meaning, right? Finit être rapporté par même mot et il donne même signification, right? Tu me comprends? Même signification. Et hadith ma'nawi, c'est que ce signification pareil, mais mola pas pareil. Mola est différent, il y a différents textes qui finissent être rapportés, mais quand on prend tout ça, narration là, on met ensemble, on met tout ça narrateur là, donc ensemble, il arrive le niveau qu'on appelle un hadith mutawatir. J'espère que vous comprenez. Moi, c'est une question talent, vous pouvez dire, Inch'Allah. Alors, its existence maintenant, wujudu. Est-ce que, comme il y a un hadith mutawatir et dans tout ça, alors, there are a considerable number of mutawatir narrations. Il y a un bon nombre. Ben, ulama dit, il y a environ 200 à 300 hadiths mutawatir. Allah connaît mieux, mais certains alim fin, comment dire, dit 200 à 300. Peut-être un peu étonné, mais 200 à 300. However, if we look at the number of hadith ahad, we will find that the number of mutawatir hadith is very small in comparison to the ahad narrations. Ça aussi, il est important pour comprendre ça. Hadith mutawatir en termes, un number qui est là, right? Quantité hadith mutawatir, les bien peu comparé à hadith ahad. Hadith ahad, les beaucoup. Tandis que Hadith Mutawatir, dit Tigit, environ 200 à 300. Right? Et il y a une sagesse derrière ça. Nous essayons de réfléchir là, nous essayons de comprendre certaines choses, mais là, pas le niveau pour cause ça, de sa classe là. Peut-être après, si nous devons devant les autres leçons, Aqida, tout ça, nous avons cause là. Mais nous comprenons ici que c'est un rahma ça aussi. Il y a une rahma, ça. Il y a une rahma, ça. Alors,
Hadith, ahad, plus beaucoup hadith mutawatir, donc les plus tchigit, comme on dit, les varient en 200 à 300. Et ben livre qui ben ulama fin écrire, parmi ben livre qui ben ulama fin écrire, remarque bien, pena Sahih Bukhari, Sahih Muslim là. Parce que le Sahih Bukhari, est un hadith mutawatir et hadith ahad, et hadith ahad, les plus beaucoup de Bukhari. Hadith ahad, les plus beaucoup. Hadith mutawatir, les tchigit. Alors, parmi les livres qui ont été écrits fin écrit 10 pour compiler les hadiths mutawatir, c'est Al-Azhar al-Mutanathira fi Al-Akhbar al-Mutawatira, écrit par le grand Allama Jalaluddin Suyuti, rahmatullah. Right. Et il finit écrit ça, il finit organiser les à l'abwab d'après ban abwab. Alors, par exemple, il peut 20 chapitres au ilm, il peut donner un hadith mutawatir au ilm, il peut 20 chapitres au namaz, par exemple. Right? Alors, il y a différents abwab comme ça, topic, là, il peut présenter un hadith là. Ensuite, deuxième livre, c'est Qatful Azhar, par Suyuti même. C'est un abridgment de previous livre là. Si on regarde online, right? Et a lit online, tout cas, Rodli, Getli, fait ce ziyaret. Là, dans nos classes, au Soulul Hadith, c'est si nous introduire où à livre-là. Nous pas pour ouvrir livre-là, nous pas pour lire. Ça, c'est un autre niveau. C'est certain parmi eux, et là, Alhamdulillah, qui ne finit faire quoi à l'im parmi nous, et là, qui peut faire quoi à l'im, et là, imam, et là, il y a des gens qui vraiment advance dans l'ilm, din et dunya, connaît, alhamdulillah. Et donc, je suis capable de download le livre là, et de lire en ligne PDF, et get un coup là-dedans. Right? Get un coup comment il était. Fais ce didar, fais ce ziyarat. Et dernier, l'exemple, c'est Nazm al-Mutanathir min al-Hadith al-Mutawatir par al-Kattani rahimahullah. C'est un livre qui est un ulama, donc fini écrit, juste pour compiler un hadith mutawatir. Maintenant, normalement, dans Nukhbatul Fikar, qu'il fait faire, il divise hadith mutawatir en deux. Il divise hadith mutawatir en lafzi et ma'nawi, qui nous finit comprendre. Mais seulement, il y a un troisième type de mutawatir aussi, qui fait parler de certains livres. Une parite de certains livres. Alors, ce troisième type-là aussi, libon nous guette-les. Libon nous guette-les, parce qu'il y a un peu autant ça, surtout dans nous l'époque. Un troisième type de hadith, c'est ce qui nous appelle, ou bien pas nous, mais ben, nous ulama fin appelle, mutawatir amali. Amal. Amal, amal, fait amal, pratique. Mutawatir amali. Alors, it implies practices which are currently transmitted through a large number of people throughout the ages. And hadith li mutawatir amali, c'est-à-dire li possible li pas fin être rapporté en termes sous mot, right? En termes sous mot li pas fin être rapporté, mais li fin être rapporté en termes de pratique, en termes de pratique. Un simple exemple. Cinq fois namaz ne n'a pas jour. Cinq fois namaz ne n'a pas jour. Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha. Cinq fois namaz ne n'a pas jour. Maintenant, ce cinq fois namaz qui ne n'a pas jour, là, tout le musulman entier, le monde connaît ça. Normalement, tout le musulman connaît ça. Une génération avant nous, ben, tu connais. Ça remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Right? Chaque génération qui finit dans ce connais, même si je ne pas fin trouve l'idée d'un livre hadith, disons pas trouve l'idée d'un livre hadith, mais musulman n'y connaît. Qui fait l'y connaît? Parce que nos nabis ils enseignent ça. Quand nos nabis ils enseignent ça avant le sahaba, ils pratiquent l'y, ils enseignent ça à nos enfants. Comme ça, depuis maintenant jusqu'à nous, en termes pratiques, ça finit même que nous. Donc, sa pratique là aussi, les finettes prouvées d'une manière mutawatir. Et personne n'a dit, donc, pas capable de venir dire, je ne pas accepter ça, je ne pas accepter cinq lettres namaz. Non. Rosa, zakat, hajj, man récitation Coran. Right? Donc, tout ça là, donc, finette rapportée par pratique de man musulman de toute l'époque,
Alors, disons même, nous pas gagner lit en un mot devant le livre Hadith, mais sa pratique-là, vu que finit rapporté de sa façon-là, il donne nous la certitude et au besoin pratique. Ou bien accepter-les, ou bien accepter-les. Alors, ça, un troisième type de hadith, mutawatir amali. Maintenant, dernière chose avant de terminer. Quand on cause al-mutawatir, nous disons qu'al-mutawatir al-mufidu lil-ilm al-yaqini bi shurutihi. Mutawatir, li convey true knowledge. True knowledge. Certitude. Allô? Qui veut dire true knowledge? Qui veut dire true knowledge? Et, allô, en mutawatir là, il convey true knowledge, ilm yaqini, et concernant hadith ahad, pour dire où il transmet dhwan. Nous les causes là avant. Right? Nous les causes là. Mais là, laisse-nous comprendre bien. Nous comprendre bien. C'est une discussion d'un autre sujet, ça mantek. Fais-toi, Inch'Allah, ou Vin Académie. Inch'Allah, nous-mêmes nous enseignons ça dans l'Académie, et Inch'Allah, si nous nous joignons, qui joue, nous capables de montrer où les mantek. Il y a pourtant ça aussi, ça sujet logique, islamique logique. Pour comprendre un advanced book in Aqidah, ou bien qu'on mantek. Alors, l'idée puis mantique ça, mon pensée, j'ai besoin de ça, par contre, si je ne comprends ou bien je ne comprends pas, mais nous essayons de faciliter les cours. Quand nous disons mutawatir, li convey true knowledge, alors quand nous causons ilm, il y en a différents levels. La connaissance de quelque chose, il y en a, la connaissance, il y en a différents levels. Il y a un niveau plus haut de la connaissance qui vous dit là, moi, la certitude concernant sa quelque chose là. Moi, la certitude concernant sa quelque chose là. On appelle le yakin, on appelle le kata. Parfois, on appelle le ilm même, zis ilm. Alors, ça, c'est la certitude. Alors, ilm, c'est absolute and certain knowledge of something. Which corresponds to its reality. Sa deuxième condition là aussi est importante. Ou une connaissance concernant une quelque chose, et sa connaissance qui ou une concernant sa quelque chose là, li correspond à réalité sa quelque chose là. Donc, par exemple, là. Pensez à trouver qui était ça, hein? Potable ça. Correct? Potable. Ça, tout le monde connaît. Ou une connaissance concernant sa potable là. Je connais un potable, ça. Et je suis sûr à 100% un potable, même ça. Je suis sûr à 100% que c'est un potable. Et ce qui me connaît concernant ça, qui est qu'il y a un potable, il correspond à la réalité, ça, qui est là. Il correspond, c'est-à-dire, je connais vraiment qui était ça. OK? Alors, ça, appelle ça ilm. Ilm. La certitude. Un petit peu plus bas que ça. Un petit peu plus bas que ça, nous gagnons. Alors, preponderant knowledge of something with the possibility of the occurrence of the contrary less likely option. OK, il est un peu difficile là. Pour faire définition même, il complique les choses. Nous essayons de comprendre par un exemple. Penalida ou hangout, mais. Vous trouvez le dans l'enregistrement là. C'est un livre mantique qui nous fait travailler là. Fait doit nous réciter à minuit. Un livre mantique. Anyway, vous pouvez le lire dans l'enregistrement là. Zwan, quand nous disons Zwan, c'est une connaissance de là-haut 50%, right? Là-haut 50%, mais moins que 100%. Right. Moins, donc, il y a réel. Hein? 51 à 99, disons. Right? Les moins qui 100%. 51 à 99. Ça, c'est Zwan. Exemple de Zwan maintenant. Exemple de Zwan. Et Yakin, Yakin, c'est sa même premier level-là. Al-ilm, qu'on appelle là-bas. Shu knowledge. Yakin, c'est
100% connaissance de quelque chose. 100% connaissance de quelque chose. Un exemple simple. Si Koumadia Enzo ou Randa ou l'endroit retourne 100 années avant, pena portable, pena téléphone, hein, pena WhatsApp, pena non rien là. Hein? Pena non rien. 100 années avant, ou le cheval, parce qu'il l'a aussi, mon copain, tu vois, non, allez, 100-150 l'année avant, ou le cheval, ou pérant dans l'endroit, dans le village, ou parti là-haut, pendant 2 mois, ou parti là, hein? Ou tu sortis, ou tu as le promené, ou pérant dans le village, le cheval. Et dans le village, il y en a 40 dîmes qui restaient. Il y en a 40 dîmes qui restaient. Comment vous rentrez? Au panko get nan rien, au panko trouve nan rien. Comment ou rentrer 30 dimoun diaou qui te connaît? Zaid Finmo. Un dimoun, disons, Zaid Finmo. De nos nouvelles qui est un tel Finmo. And the remaining 10 people say that Zaid did not die. Alors, il y en a 40 dimoun en tout. De 40, combien fin de Zaid Finmo? 30 dimoun. Combien fin de Zaid Panmo? 10 dimoun. Trouvez là. Et bien là, ça veut dire 75% du monde, si on peut bien dire là, hein? 75% de 20 du monde peut dire qu'ils aident Finmo, tandis que 25% peut dire qu'ils aident Panmo. Et tout 20 du monde, là, en termes de comment dire, est-ce que qu'a fait de confiance, disons, tout le même niveau. Disons, tout le même niveau. Ne pas dire un appli monté, le talent monté, tout cela, non. Je veux dire, tous ces bandes du monde qui causeraient tout le même niveau. Disons. Hein. Alors là, dans un cas comme ça, 30 du monde peut dire Z in mot, 10 peut dire Z pas de mot. 75% du monde peut dire Z in mot. Alors, ou pouvez ce qu'on appelle Zwan. Zwan, qui Z une bizarre mot. Zwan. C'est-à-dire, tout ça, du monde a 30 pédiales l'infini mot, 10 pédiales l'hypan mot, mais ça veut dire qu'il y a une fausse possibilité, Z fin mot. Mais seulement, vu que 10 fin dia ou Z pan mot, ou bien, bon, mot pas pour dire li à 100% qu'il est comme ça, mais donc, li above 50%, moins qui 100%. Ça, c'est Zwan. Et c'est ça même qui Hadith Ahad li transmet. Hadith Ahad li transmet Zwan. Il est là-haut 50%, mais il est moins que 100%. Mais, par exemple, si on rentre dans l'endroit, 40 dîmes, tous les 40 dîmes, j'ai eu qui Z fin mot. Tous les 40 dîmes, j'ai eu Z fin mot. Donc, à ce moment, nous pouvons avoir la certitude qui vraiment Z fin mot. Alors, Hadith Mutawatir, il transmet ça, yakin là. J'espère qu'il est clair à ce terme. Bon, espérer l'éclair. One, là-haut 50%, moins qui 100%. Yakin, c'est une connaissance 100%. Ensuite, dans nos handouts, nous disons encore, ça bande qui vient après là, là hein, ça 4 là, n'est pas important pour science hadith, vraiment, pour l'instant, mais toujours nous guettons-les. Hein, nous guettons-les. Nous alors, ilm 100%, zwan, là-haut 50, moins ce qui 100. Ensuite, on vient un troisième niveau en bas, c'est chaque. Chaque, c'est 50-50, 50%. Donc, par exemple, on rentre dans l'endroit, il y a 40 dîmes, et 40 dîmes, de 40 dîmes, 20 dîmes, Z in mot, 20 dîmes, Z pan mot. 20-20. Mais quand 20-20, on finit, on connaît qui? Quand, on va dire, il y en a 50% là, 50% là-bas. Right? Alors là, au bout de chaque. Chaque veut dire 50-50. Ensuite, un niveau plus bas que chaque, c'est waham. 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 Waham, c'est par exemple, on rentre dans l'endroit, 10 dia ou Zayd fin mot, 10 dia Zayd fin mot, tandis que 30 dia Zayd pan mo. 10 pe dia Zayd in mo, 30 pe dia Zayd pan mo. Alors là, vous pouvez avoir une connaissance concernant Zayd sur la mot qui moins que 50%. Parce que moins que 50% de bandimoun peut informer concernant ça. Alors nous sommes capables de dire, waham,
li là-haut, 0, right? Commence par n, allez jusqu'à 49%. Allez jusqu'à 49%. Ça, c'est waham. Alors, choc, c'est 50%. Waham, c'est n à 49%. Ensuite, là, là, un niveau plus bas que ça, c'est ce qui appelle jahl basit. Al-jahlul basit. Al-jahlul basit, c'est ou peine à connaissance concernant une chose. Ou pas connaît qui était ça. Ou pas connaît qui n'arrivait. 0%. 0%. Donc, par exemple, ça, faire comment dire, ou pas connaît. Alors faire comment dire, ou ne pas dire dada, parce que dada aussi n'a pas de bastère. Ou dada ce dada. Faire comment dire, nous dada ce dada, moi aussi pareil, hein. Nous dada ce dada. Faire comment dire là, le vin en coude dans sa dunia là. Ok, c'est impossible, mais faire comment dire. Hein? Mais, ou de venir, dada, par dada, qui est de ça? Pourquoi il vous connaît? Il ne peut pas vous connaître qui est de ça, il ne peut pas te connaître. Dans cette époque, pas tiens. Comprends? Mais, veut dire, il y en a 0% connaissance de sa quitteuse là. Comprends? Donc, ça appelle ça al-jahlul basri. Et nous aussi, dans beaucoup de quitteuses, Nous n'avons pas de choses. Par exemple, moi, dans la médecine, je n'ai pas de choses. Dans le domaine de la médecine, je n'ai pas de choses. Je n'ai pas de choses. Et nous tous, nous comme ça. Dans certaines choses, peut-être nous, le niveau de Waham, nous, le niveau de Chak, nous, le niveau de Luan. Peut-être dans certaines petites choses, nous, le niveau de Helm, nous connaissons bien 100% comme Abizin. Jahl Basuit, c'est 0%. Et un niveau plus bas qui ça 0% là, c'est Jahl Murakkab. Au cas de li minus ça là. Hein? On prend li donc moins qui 0, c'est minus 1. Non, minus 1 ou aller, même aller jusqu'à côté ça où on vient amener. Qui était ça, Jahl Murakkab? Jahl Murakkab, c'est un djimoun li pas connaît qui ça c'est un potable. Li pas connaît qui ça c'est un potable. Astea ou demani, qui était ça? C'est le tibudjaou, mon pas connaît. Le tibudjaou, mon pas connaît. Alors, c'est Jahl Basuit, 0%. Mais seulement, ça n'a là, le Jahl Murakkab, li pas connaît qui c'est un potable et en même temps, li pas connaît qui li pas connaît. Tu comprends là? Li pas connaît qui li pas connaît. Alors, demani, bhaïa, ou bien au monsieur, qui était ça? Les yaoubé un livre ça. Oui, yaoubé un livre ça. Ou bien les yaoubé, moi, pas connais moi. Un la table ça. Comprends là? Yali non, potable ça. Les yaoubé, non. Un livre ça. Mais sa qualité du mounaz de Jahl Murakkab, il n'y pas connaît qui était ça, Et il n'y pas connaît qu'il n'y pas connaît. Et ça, c'est un niveau bien dangereux. Ça. Quand un djimoun n'y pas connaît, ou capable d'enseigner. Mais quand un djimoun n'y pas connaît, il peine à connaissance, et il n'y pas connaît qu'il n'y pas connaît, là, il est difficile. Ils ont dit, il y a beaucoup de djimoun de Jahl Murakkab. Il n'y pas connaît. Li. Et il n'y pas connaît qu'il n'y pas connaît. Allah protège nous contre ces deux types de jahl là. Donc, ça, c'est pas le niveau de ilm, on pensait que c'est intéressant, je ne connais pas. Mais dans le hadith, on aurait dit, sa première ilm, la connaissance avec certitude, 100% connaissance de quelque chose, c'est le hadith mutawatir qui donne nous ça. C'est-à-dire, quand on entend un hadith mutawatir, nous sommes sûrs, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, et nous avons iman avec certitude. Maintenant, l'ulama dit là, si quelqu'un rejette ça, il fait kufr. Et deuxième, là, hadith ahad, c'est-à-dire, hadith qui n'est pas mutawatir, lui, il n'est pas transmet la certitude, parce qu'il n'est pas là au niveau de mutawatir, mais il transmet zwan, donc une connaissance de. Là-haut 50%, mais lui en bas 100%.
Il en bas 100%. À cause même, la dièse, si quelqu'un peut rejeter un hadith ahad, il pas faire kufra. Il pas faire kufra. Parce qu'il y a une possibilité, comment dire, quelque chose n'est pas comme ça. Une possibilité, même 1%, à le basant, le ça 1%, là, on va vous dire du monde à faire. Inch'Allah, là, Hénard qui nous donne nous aujourd'hui, hadith ahad, même nous pour causer là, ok? Alors, get me fini de signer là. Hadith based on how it reached us, mutawatir, ahad. Ensuite, mutawatir, là, nous diviser de sa façon là. Nous capables de mettre lafzi ma'nawi dans une catégorie, amali dans l'autre catégorie, ou envie de mettre dans trois différentes catégories, ça aussi dit bon. Right? Ça, c'est ce division. Ça, nous finissons en prendre. Mutawatir qui veut dire, ahad qui veut dire, nous finissons en prendre. Amali nous finit à apprendre, l'ordre ma'anawi nous finit à apprendre, astéa nous n'a pas apprendre, mashour, aziz, gharib. Ça aussi nous finit à guetter, ça c'est mon papa fait rire, mais avec un détail, avec un exemple, Inch'Allah, nous pourrons causer l'Ola, nous pourrons guetter la semaine prochaine ensemble. Et là, là je pense, il n'y a rien de difficile là-dedans. Si nous sommes capables de sacrifier, venir, et donc je pense, c'est plus facile pour nous comprendre, pour faire les choses faciles pour nous. Voilà, je termine la même. Bon, écoute, j'ai une question, mais seulement s'il vous plaît, bonne question là, pas poser une question en dehors au sujet. Je vais tailler aujourd'hui là. Juste ce qu'ils n'ont pas compris dans ce qu'ils m'ont expliqué là-dedans. Oui, dans ma previous classe, ce qu'ils m'ont expliqué de science hadith, nous n'écrivons pas une sapée de là. Bon, allez. On va dire une question. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. أنا أقول لك من كشوف. If someone knows, he she does not know anything about something, but he still say that he. Alors c'est un témoin qui connaît, qui dit pas connaît. Ok. Donc il jahl basi. Mais il dit, he she knows but ok. Alors, bon, si un démon le connaît qu'il n'est pas connaît, nous vous dire donc les jahl basit, ok, mais il peut cause mentir pour comment dire démon pas connaît qui est dans l'ignorance. Alors, vous venez un mensonge là, et vous gagnez un lot là. Appelle bien, pena non y a pour gagner honte de dire mot pas connaît. Un farishta qui dit nous pas connaître, Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Surah Baqarah, ça. Création Adam alayhi salam. Donc, on ne connaît pas, on ne pas connaît. Moi, il y en a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, Alors, pas cause mentir. Si c'est arrivé dans le passé, nous faisons ça, Allah, pour le nom. Alaykum salam. Mais Jal Murakab, si vous êtes capable de dire, piquer là, qui était ça, pourquoi? Pourquoi les dangereux? Il est un peu complexe. Pourquoi les dangereux? Les dangereux parce que Dimon, on connaît quand on connaît qui ou pas connaît. Donc, par exemple, je connais qui dans la médecine, je ne connais rien. Et demain, comme on est malade, alors on va écouter un docteur. Vous comprenez? Comme on est malade, on va pour. Comment dire? Moi-même, moi, c'est. Hein? Non. Je ne vais pas écouter un médecin, je vais écouter un spécialiste. Comme ça même, par exemple, si un démon n'est pas comme cela, talak, arrive une situation où il arrive talak. Alors, si, comme on dit, il connaît qu'il n'est pas comme ce sujet-là, donc il peut être un ali médine, il peut clarifier les choses. Mais quand il n'est pas connu qu'il n'est pas connu, veut dire qu'il peut penser qu'il y connaît. Mais quand il pense qu'il y connaît, là, il devient dangereux parce qu'il peut faire un travail qui n'est pas bon. Il est capable même de mettre cela à vie en danger. Mon pensée, mon espérer, mon demande répondre à la question, s'il y a quelque chose qui a demandé. Amen. Fais-toi pour nous, fais-toi pour. Amen. Moi aussi, fais-toi pour et surtout pour cadre l'académie, mon frère qui est avec nous, qui organise tout ce qu'on a fait. Fais-toi pour nous, tout pour nous, académie.
If someone deny and say that they believe only in... Non, ah. Nous pouvons nous poser la question là, sœur. Si quelqu'un de vous, par exemple, a accepté ici ce hadith sur les Bukhari et sur les musulmans, c'est un jahil. Right? Il est un jahil. Il est capable, comment dire, de montrer comme si, je ne sais pas, c'est nous aussi, c'est devant du monde qui pas trop connaît. Mais s'il est venu pour débattre, hein, il n'est pas capable. Je vous donne un exemple. Cause là une levée, moi donne vu que nous pour cause là après quand un homme à la toilette, right? Dans la toilette uriner, alors bien assisé, ce principe c'est assisé. Maintenant ça celui qui veut dire il suit 6 Bukhari et Muslim, est-ce que il est capable de montrer nous un hadith de Bukhari qui mentionne assisé uriner? Da Bukhari est un débouté uriné. C'est le Tirmidhi qui mentionne assisé uriné. Right? Alors, da Bukhari qui mentionne débouté uriné, il a ce condition ça. Right? Par exemple, un dimon est dans une place que il est assisé, donc capable, il man. Pas connu moi. Dimon trouve les tout ça, il a fait comme ça, dans cas ou bien il est malade. Right? Mais la pratique courant même, c'est assisé, ça au besoin. Hein? Mais est-ce que les Bukhari montrent nous dans Bukhari? Non, les Bukhari montrent nous dans Bukhari. Alors, Inch'Allah, nous pouvons causer là, quand nous pouvons le hadith Ahad, nous pouvons causer là. Amen. Alors, oui, si ça causait qu'ils ont dit de ne pas accepter aucun hadith s'il n'y a pas trop de Sahih Bukhari et Sahih Muslim. En réalité, je n'ai pas vraiment l'Ola. Je n'ai pas vraiment l'Ola. Si, comment dire, nous assisons, non. Nous assisons, nous investiguons tout ce qu'ils ont fait. Zot namaz, rosa, zot zakat, zot hajj, ce qu'ils vont faire, zot croire. Moi, je vais dire avec certitude, je n'ai pas capable de prouver tout ça là seulement depuis Bukhari et Muslim. Pas capable de ça. Pas pour capable. Donc, c'est dans l'ignorance qu'ils ont dit une parole comme ça. C'est dans l'ignorance qu'ils ont dit une parole comme ça. Mais Inch'Allah, nous pourrons apprendre comment pour répondre maintenant. Nous pourrons causer là. Amen. Oui, je connais, il y a une question là. En cause même, nous organisons ça coup là, non? Oui, Inch'Allah, reste ensemble avec nous et nous pourrons causer là. Quand on arrive sur l'air. Là, j'espère que ça m'outawatir, yakin, grand, ça va nous faire la zone finie comprendre. Si ça, zone finie comprendre, là, je veux dire, zone finie comprendre une bonne partie de science, ça dit. C'est bien la question encore. Balzaki, on nous fait le bon aller. Oui. Allez. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.